Non, crac-crac, je ne suis pas Premier ministre, vous n'êtes pas président de la République, nous sommes deux candidats au service de la France, crac-crac les pommes. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Mettons de côté nos différents politiques. Ah, la hache de guerre, crac-crac. Est enterré. Comme nous, crac-crac. Je ris. C'est Julien Clerc aussi. Après. Le numéro 2, oh là là, Joker. Bah bien sûr, attendez. C'est la descente aux enfers, quoi. Qui nous guette tous, quoi. À un moment, il y a une fête d'entreprise là. Ouais. Puis lui, il voit cette fête. Lui, il est un peu en train d'errer dans les rues. Il a bien entamé sa descente aux enfers. Ouais, bien sûr. Il est à mi-chemin. Il voit, puis il rentre dans cette fête où il connaît personne. Puis bon, bah très vite, les gens ressentent que c'est. Malaise. Voilà, qu'il a pas à être là. Alors ils lui disent va-t'en, t'es fou, quoi, toi. Va-t'en, t'as rien à faire là. Et puis là, il fait. Bon, c'est génial. Voilà, oui. C'est génial. Ah, c'est rire. Un fou qui rit comme ça, moi j'ai jamais vu. Parce que d'habitude, les quand il y a un fou, ouais. Il est plutôt. Tu rigoles ou quoi? Alors que. Là... Des trucs comme ça. Là, il hurle. Ouais, un vrai fou, quoi. Ils disent, tu rigoles ou quoi? Ils n'ont rien compris à la folie. Les fous hurlent. J'ai écrit une série audio qui s'appelle Clyde Vanilla. Il avait accepté de jouer dedans gratuitement en échange de on prend une photo ensemble et sur Twitter et sur Insta je fais merci Julien Lepers pour la voix. Et en fait au moment où l'épisode sort, lui et son manager qui m'appelle, ouais, on a un peu changé d'avis. En fait en ce moment Julien Lepers il lance une appli qui s'appelle Be The One, qui est une appli de quiz où en fait ça sera présenté à la télé sur une chaîne obscure de la TNT, je sais plus, canal je sais plus combien. Et moi j'étais en mode si j'ai pas envie de faire la promo, ça change de... pas mal le deal. Voilà, du coup je commence à ghoster le manager de Julien Lepers. Au bout d'un moment il y a Julien Lepers lui-même qui m'appelle en mode Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se tape, espèce de connard? Je t'encule Julien Lepers. Non, il était vraiment en mode stop, je vais te défoncer la gueule, je vais trouver ton adresse, je vais venir devant chez toi avec deux potes et te péter les genoux, je suis Un spectateur s'est blessé la clavicule alors qu'il assistait simplement à un spectacle. À votre avis, quel était le spectacle? Alors il s'est blessé à la clavicule. À la clavicule. Un truc genre Mesmer. Oh là là, très bonne réponse. C'est vrai? Mais directement. Wow. Non, j'y crois c'est pas. Juste Mesmer. Je peux pas le croire. Mais si. C'est Mesmer littéralement. J'ai... Alors Mesmer lui a pas cassé la clavicule. Le nouveau mec de son ex, il lui a fait attends. Ça fait partie du spectacle, ça. Ouais. Voilà, allez, tu te réveilles maintenant. Non, alors. Tu ressentais pas la douleur? Bah si. Ouais, bah. J'étais pas hypnotisé, c'est pour ça. Allez. Il y a un jeu qu'on aime beaucoup ici qui s'appelle le Imite ta réponse. Elle a joué dans La femme d'à côté et Pédale douce. Ah, c'est Josiane Balasco, mais. Non, mais bah non, c'est Fanny Ardant. Ah, voilà. Ouais. D'accord. Ah, non, on va laisser. Ah, mais c'était pas si mal. Je sais pas ce que t'as imité là, mais c'est autre chose. Gollum un peu, mais. Gollum, mais relax, quoi. Ah, c'est bon. Soirée chill. Ouais, bah ça reste mon précieux, mais il faut savoir aussi mettre des choses de côté. J'ai tourné la page, c'était mon précieux. Vous voulez manger un petit peu? Vous voulez manger une pause? Quelqu'un veut de bière? Soirée Gollum. C'est un président avec une bibliothèque à son nom. C'est François Mitterrand. Oui, non, mais. Cool encore, relax aussi. Ouais, il est avec Gollum. Il a été invité par Gollum. Oui, il me semblait qu'il m'a dit que c'était son précieux, oui. Oui, je l'ai prévenu que c'était mon précieux. Je n'en ai pas pris ombrage. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Smeagol. Gollum Ardant. Smeagol, oui, il connaît son place.